Voici donc les quatre fils Aymon. Les quatre fils Aymon, c'est à Bogny-sur-Meuse, dans les Ardennes. Et c'est une légende très intéressante. Voilà, ça c'est le site. Hein. Voilà tout ce qu'on peut voir à partir de ce site. De plus près, là on voit que les trois chevaliers, il y en a un qui est planqué derrière le cheval, là. Voici et que voilà. Une caisse qui passe pour... Bon alors là, ben, l'anarchiste qui jactait tout seul chez ses amis Patrice et Pascaline, chez le baron de l'Écluse. Tu connais ce film-là, Baron de l'Écluse, avec Jean Gabin? Bon, comme t'as une écluse, je t'appelle le baron de l'écluse maintenant. Et on se fait un putain de barbecue, ça va être quelque chose. Oh, regardez, regardez un petit peu ce bon barbecue là. Il fait encore beau, hein. Voilà le baron de l'écluse. Hein? On dirait une danseuse de chez Michou là. J'ai pas mes lunettes bleues. Ah oui. Donc voilà, ça va être quand même quelque chose, hein, regardez-moi ça. Un temps splendide. Ah oui, merveilleux. Franchement, tout ce qu'il faut. Alors là, le Patrice vient de retourner la barbaque. Ah oui. Quand un pompier s'occupe du feu, ça rigole pas. Hein. Oh, malheureux. Non, les dios. Non, des dios. Non, les dios. Elle est partie, madame. Mettre la table. Ah. Alors voilà le lieu de travail de l'ami Patrice. Hein. Et voilà la maison du baron de l'Écluse. Vous voyez que ça commence à prendre une belle couleur et puis ça sent bon, hein. Même les vélos s'arrêtent. Hein? Même les vélos s'arrêtent pour manger, pour me dire à quelle heure ils doivent passer. Ils seront pas gonflés, eux. Tu leur dis qu'ils amènent la boisson? Ouais, voilà. C'est pas 27. Qu'est-ce que tu fais, le petit chat là? Hein, petite gueule. Alors, tous les jours, tu vas te balader. Alors. Encore quasiment tous les jours. Tous les jours? Ouais. C'est bien. Regardez si c'est pas beau une vie de chat quand même, hein? Hein, mon Patrice? Ouais. Ils sont heureux. Alors, monsieur Erwan, comment ça va? Bien, bah, écoute, on va pas se plaindre, hein? Ah oui. On va pas se plaindre. Oh, regarde l'autre qui est planqué. Erwan, baisse la tête. Bon, ça en est où là, mon Patrice? Ah bah ça devient bon, ça devient bon. Hein. On va pas tarder à... Parce que... À fûter les couteaux. L'anarchiste commence à avoir les crocs là. Tu t'en doutes, hein? Bah oui. C'est du boulot, hein, mon Patrice, hein? Oh la vache, non, qu'est-ce que c'est? Je préfère de mettre les deux pieds à temps. M'en parlez pas. Ouais. Bon, Erwan, tu vas devenir célèbre, hein? Ah! Comment ça va? Ça a été l'école, là? Ouais. Bien, bien, bien? Mmh. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard? Sécurité civile. Ah, ouais. Mmh. Ah oui? Un beau métier. Au service des autres. Bon, Pascaline, t'es à fond, toi, là. Ah non, hein. Bon, là, ça rigole plus. Hein. Voilà, ce qui a été cuit au barbecue. On va s'en foutre plein la panse, hein, Erwan.
En plus, j'ai faim. Ah, en plus, t'as faim. Ben voilà. Ben, c'est normal, tu bosses bien à l'école. Donc, il faut manger des vitamines, de l'énergie, manger. Eh ben, moi, les copains, les copines, je me régale. Avec une bonne petite l'œuf. Très bien. Ouais. Pascaline, Patrice, Erwan, merci. De rien. Il y va aussi, hein, le Erwan. Hein. Ah oui. Ouais. Alors mon Patrice aussi, hein. Ça y va les mandibules, hein, copain. Oh, oh. T'es pas en panne non plus, toi. La barbac. Bah, t'es comme moi. La bonne barbac. La bonne barbac. La meilleure. Voilà. Dans le cochon, tout est bon. Il y en a qui ne mangent pas, mais ils savent pas ce qu'ils perdent, hein, moi je te le dis. Oui. On dira pas de nom, hein. Non, ils ont raison qu'ils nous la laissent.